Et chez Citroën, la nouveauté, c'est le nouveau berlingot. Vas-y, je t'en prie. Donc voici la version XTR. Donc très semblable aux versions Rifter du Peugeot, mais avec un intérieur un peu différent. On va jeter un petit coup d'œil. Alors moi, il y a un petit détail qui me chiffonne. Du point de vue style, ça me dérangeait déjà sur la Peugeot 207, si on le retrouve ici. C'est que regardez de l'extérieur, vous avez cette forme ici là, de la portière. Et du coup, à l'intérieur, la portière, la vitre est carrée, et donc on retrouve l'ombre ici. Donc je trouve ça assez mal intégré. C'était déjà le cas sur les anciennes Peugeot, mais là, c'est assez flagrant, quoi. L'intérieur, voilà, avec, non, ça bouge pas, on peut rien mettre dedans. C'est juste, ça, c'est assez dur. C'est juste une peinture un peu moussée. Donc voilà, l'écran est surélevé, qui est commun aux versions Peugeot et aux autres.